faut que le droit puisse primer, parce qu'il s'agit là de l'avenir de notre pays. Ce procès sera enseigné aux futurs étudiants. Il faut que ça serve. Nous le laissons, on ne peut pas se réveiller un jour et changer son nom. C'est le plus important. Donc le caractère était beaucoup plus pédagogique. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à la présidentielle, ouvre son audience de ce jour. Nous avons plaidé sur l'invalidation de la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine pour deux motifs. Un, défaut de qualité et défaut d'intérêt, et aussi inscription pirate de sa candidature ainsi que la fraude à la loi. M. Tshisekedi n'est pas comme tout autre candidat en 2023. C'est un candidat au renouvellement de son mandat. Lorsqu'on vient comme candidat au renouvellement de son mandat, en vertu de l'article 106 de la loi électorale, la CENI aurait dû vérifier si le président en exercice qui vient chercher son deuxième mandat, conformément à l'article 70 alinéa 1 de la Constitution, c'est la même personne qui a été élue en 2018. Il s'est fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter le renouvellement de son premier mandat devient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom. C'est-à-dire, personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix-Antoine ont déclaré devant la cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix Antoine Tshilombo Mukwatombolo Fatshibeton. Ça a été dit devant la cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, le nom, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Tshilombo est différent de Félix-Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi? Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la cour, je le déclare devant la force, devant la presse, avec force scientifique. Félix dira: écoutez, le mandat que j'ai eu de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat comme Félix Antoine. Donc, le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà là où la Constitution limite le mandat du président de la République à deux. Félix risque d'en avoir trois. Le premier, sous l'identité Félix Tshisekedi, tout court. Le second, le deuxième, l'identité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le troisième, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je reste convaincu que Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine sera invalidé sur ses élections sans le candidat de l'Union sacrée. S'agissant de l'affaire Noël Tchiami, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi Tshabo. À l'appui de ses prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. On cherche un moyen pour écarter Moïse Katumbi de la présidence, mais je vais vous dire que cela n'est pas possible puisqu'au vu de pièces, la CENI d'ailleurs a simplement dit. Donc il y a un certificat de nationalité que détient Moïse Katumbi, il n'y a aucun autre document qui l'annule ni aucune pièce, même pas une photocopie d'un passeport, soi-disant de telle ou telle autre nationalité. Nous avons produit des éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition donc de la Cour. Et je pense que la Cour
ne peux pas aller dans les détails. Je voulais laisser ça au ministre. J'estime que la Cour a pris en délibéré tout ce document que nous avons passé. Et on a pensé que notre requête était fondée. Par conséquent, il sera étudié. Et je vais vous dire une chose, que dans tout ce que nous faisons, nous défendons le drapeau de la RDC. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par ouï-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Ma mission TV, le miroir du monde. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à la présidentielle, ouvre son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du vote. Me rendre compte si, au fond, on entend ce que la Cour est en train de dire. C'est-à-dire l'invalidation du candidat du président Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine, qui est différent de Tshisekedi Tshilombo Félix. Nos conseils ont présenté leurs moyens et je reste convaincu que Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine sera invalidé et nous irons en élection sans le candidat de l'Union Sacrée. Je reste convaincu que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour du pays, va dire le droit parce que, autant que nos conseils ont présenté leurs moyens, notre parti aussi s'est exprimé. Mais nous avons vu la contradiction des aveux et tous les éléments qui prouvent à suffisance que notre parti est coincé. C'est un test pour la Cour constitutionnelle parce que les élections sont un moment important. Il faut que le droit puisse primer parce qu'il s'agit là de l'avenir de notre pays. Ce procès sera enseigné aux futurs étudiants. Il faut que ça serve de leçon. On ne peut pas se réveiller un jour et changer son nom. C'est le plus important. Donc le caractère était beaucoup plus pédagogique et je reste convaincu, je le répète, que nous irons aux élections sans le candidat de l'Union Sacrée de la Nation. Mais vous venez, nous venons d'interviewer l'un des avocats de M. Tshisekedi. Il dit que vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas démontré justement ce que vous dites. Donc il qualifie les allégations contre Tshisekedi. Nous avons toutes les preuves qui sont versées, qui ont été versées dans le dossier. Toutes les preuves nécessaires. Des preuves, nous n'en faites pas, nous avons des preuves. Nous sommes des personnes très responsables. Je suis candidat président de la République, entouré de très bons avocats. Les avocats ne pouvaient pas porter leur toge et venir à la haute cour sans preuves. Donc nous avons des preuves que nous avons versées. Et c'est clair que notre parti
est venu peut-être par solidarité pour leurs clients. Nous allons voir ce que la Cour va prononcer comme résultat. Nous avons versé tout le temps. Merci beaucoup. Nous avons plaidé sur l'invalidation de la candidature de messieurs Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, pour deux motifs. Un, défaut de qualité et défaut d'intérêt, et aussi inscription pirate de sa candidature, ainsi que la fraude à la loi. Il a été démontré devant la Cour que M. Tshisekedi n'est pas comme tout autre candidat en 2023. C'est un candidat au renouvellement de son mandat. Lorsqu'on vient comme candidat au renouvellement de son mandat, en vertu de l'article 106 de la loi électorale, la CENI aurait dû vérifier si le président en exercice qui vient chercher son deuxième mandat, conformément à l'article 70 alinéa 1 de la Constitution, c'est la même personne qui a été élue en 2018. Il s'est fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter le renouvellement de son premier mandat devient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom, c'est-à-dire personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix-Antoine ont déclaré devant la Cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix Antoine Tshilombo Mukwatombolo Fatshi Béton. Ça a été dit devant la Cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, les noms, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Tshilombo est différent de Félix Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi? Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la Cour, je l'ai déclaré devant la Fox, devant la presse, avec force scientifique. Félix dira, écoutez, le mandat que j'ai eu de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat, comme Félix Antoine. Donc le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà, là où la Constitution limite les mandats du président de la République à deux, Félix risque d'en avoir trois. Le premier, sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Le second, le deuxième, l'identité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le troisième, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un troisième mandat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a demandé à la Cour. Non, la Cour ne donne pas de réponse sur le banc. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt à intervenir au plus tard les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la réplique. La réplique des avocats de M. Félix-Antoine Tshilombo. Ils ont dit, les candidats ont ajouté les noms. Il a ajouté Antoine, il pouvait même ajouter Mukwatombolo, il pouvait même ajouter Fatshi Béton. C'est comme si ils ont le contrôle de la Cour, c'est comme si ils jouent avec la Cour, mais en réalité, c'est en violation de la loi. Voilà, nous avons mis la Cour devant ses responsabilités. Mon candidat, Seth Kikuni, est serein. Il appartient à la Cour de dire les droits, puisque tout le monde sont égaux devant la loi. Si vous prenez votre carte d'électeur, vous allez à la banque. On vous a envoyé 100 dollars sous l'identité de Jean Nico. Et que je vais à la banque, c'est Nico Maengele. On ne me donne pas l'argent. Mais comment sur le plan électoral, une même personne peut avoir deux mandats avec des cycles électoraux différents, des noms différents. Merci. Donc il appartient à la Cour de rejeter la candidature de M. Tshilombo. Qu'elle n'a pas peur. Votre nom. Je suis Nico Maengele Ngenge, avocat conseil de candidat président chez Nico. Bonjour maître. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous faire justement le condensé de tout ce qui s'est bien passé pendant que vous étiez à l'intérieur de la salle? Parce qu'on
On veut justement savoir quelle est l'opinion publique. Il y a eu une demande, une requête introduite à la Cour par M. Seth Kikuni, qui a prétendu que le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République et candidat à sa propre succession, aurait utilisé un nom d'un jour ou un faux nom, un post-nom ou un prénom qui ne serait pas son nom ou son post-nom, son prénom, au motif qu'il se serait présenté avant comme Tshisekedi Tshilombo Félix et que cette fois-là il se présente comme Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Voilà le débat sur lequel a porté la discussion devant la Cour. Premièrement, sur le fait que nous avons éclairé l'opinion que M. Tshisekedi n'a jamais changé de nom et que le demandeur n'a pas apporté devant la Cour un acte de naissance qui indique le contraire du nom qui est actuellement rendu public comme candidat président de la République. Et malheureusement, pour lui, c'est cela. Et c'est une condition même légale de recevabilité de la requête au terme de l'article 27 bis de la loi électorale. Nous avons donc aussi essayé de démontrer qu'il y avait une désinformation pour un candidat aussi qui voulait se faire sa propre publicité en s'en prenant à celui qu'il estime être le plus en vue. C'est tout à fait normal comme coup politique, malheureusement, qui ne lui a pas profité parce qu'il a été démontré que c'était du charlatanisme juridique. Les choses sont clarifiées, nous attendons la décision du juge. Maître, votre identité complète, le nom. C'est Maître Chiboumbaï, Moussaou, Isaac Diampo. Human pardon. Ensemble pour la République. Dans les deux affaires, effectivement, la CENI était en partie expert. S'agissant de la première affaire, M. Tshivwadi a fait observer devant la Cour qu'il n'a jamais saisi la Cour en contentieux des candidatures. Auquel cas, l'affaire devenait sans objet, elle a été rayée du rôle et il a été déclaré irrécevable sur le sujet. S'agissant de l'affaire Noël Tshiani, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi Tshabalala. À l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que, de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle qu'au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katumbi Tshabalala ont été complets, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original de son certificat de nationalité. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne de désinformation, les procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général près la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été donné jusqu'au lundi déjà, 30 octobre, à 10 heures pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné
le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus sereins que nous y étions entrés, si tant est que nous aurions eu besoin de ne pas être sereins en entrant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par ouï-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que dénier à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise, ou lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise, c'est renier le droit congolais en matière de nationalité, ce qui est juste impossible. Ce qu'il faut souligner, c'est que Noël Tchani n'a apporté rien comme preuve, mais vraiment rien que des narrations. Donc aucun document, aucun papier, et le journal, le revue Jeune Afrique qui nous rendit, tout de suite après, il y a quand même démenti que Jeune Afrique avait fait pour dire que Moïse n'a jamais eu la nationalité italienne. Donc il faut dormir tranquille, il faut être calme, et nous sommes calmes depuis le début, parce qu'on sait que tout ce qui est en train d'être raconté ne sont que des racontards. On cherche un moyen pour écarter Moïse Katumbi de la présidence, mais je vais vous dire que cela n'est pas possible, puisqu'au vu de pièces, la CNI d'ailleurs a simplement dit. Donc il y a un certificat de nationalité que détient Moïse Katumbi, il n'y a aucun autre document qui l'annule, ni aucune pièce, même pas une photocopie d'un passeport, soi-disant de telle ou telle autre nationalité. Donc il faut être calme, et nous sommes calmes, et je pense que ce qu'est fait d'autres Congolais, c'est inadmissible, et nous ne devons pas remplacer les électeurs, et que les Congolais doivent se préparer pour aller aux élections, et rien d'autre, puisque préparons-nous, puisque Moïse Katumbi sera candidat et prévoit les élections. Avec... Voilà Lingala, Ensemble, ensemble pour la République. Motwa Liboso et Zalaki Ndeko Junior Tivoali. Kasitamu babengisi et mon alobi et pas à Bazouzi était. Aya Yaki Kofunda Moïse Katumbi na Maramoutala qui contacte la candidature. Et mon Kakamu Ndegrini Dossiango et Gokoma Awa. Nayangwa Sengaki, Dossiango et Longwa, ba déclarant Ndeng Babeng na Lopoto, irrécevable, to, Bakolandango Lissousou, te. Yami Bale Zalaki Ndeko Noël Tchiani. Ndeko Noël Tchiani na beaucoup seyé à l'obaki, seni, asali, mbeba, na nenga ni mangi candidature ya Ndeko Katumbi, po ya yebi ete Ndeko Katumbi azalaka Congolais te, azali italien. Siko na mikanda Ndeko Tchiani amemaki, amemi article moko ya photocopie ya Jeune Afrique, azwaki na internet, oyo balobi ete, mkolo moko bayokaki neti ke, batu moko ya Itali balobaki, que mutumoko lokola na Moïse Katumbi tangu mususu azwaki nationalité italienne. Sikoyo totuni soki ata libanda ya article wana azali to na passeport moko ba italien ba pesa Moïse Katumbi, azali to na mukana moko ba autorité italienne to batu ya moka mususu ba pesa Moïse Katumbi, azali to na journal officiel moko bimisa kombo Moïse Katumbi na nationalité mususu nyo so ne zalaki talobi batu balobaka kaka ke azali na nationalité wana na yango tango ekomi bongo seni elobi ete ndenge mibeko na biso elobi mingi na article 104 ya loi électorale ndeko Moïse Katumbi na mikanda oyo amemaki pona atia candidature na ye comme président de la république amemi mikanda nyonso enge bene na mibeko ya mboka na biso endima mingi certificat de nationalité na yango amoni te ndenge nini akokaki kosala eloko mususu a part kondima Moïse Katumbi candidat enge bene na mibeko na biso yango wana basambi na biso baavokat na biso bazwaki mpenza mosala ya malamu ya komema makambo ndenge mibeko elobi ya kosenga bapreuve oyo bamemi te ya kolakisa ya solo ete Moïse Katumbi azalaka candidat awa comme na 2006 comme député national, cour constitutionnelle, il y a un peu de temps en tant que Congolais.
Atambu Kolomoko te Moïse Katumbi a perdu la nationalité congolaise, Batunioso Bayaka kofunda kazana nationalité te. Mais Marelo Komisusute, Bayaka Kaka na Masolo, Bayokaka, Binoboko Boebina Batumoko Moussana, Bongoza la élection, Nioso Kopesa Batuma nationalité, et Lokomi Burundi, Lokomi Camerounais, Lokomi Sénégalais, Toyebi Bango. Kasiwana et Lobamara Libanda, Libanda et Zala Wenze. Kasi devant Bazuzi, Bayaka na ba preuve. De Gotiani, Lelo a mis à ta preuve Moko. Il y a un parquet général, il y a un cours fonctionnel, le lobby. Bapé Saé Tango, à Sala, où il y a un avis, tout le canisinaé, à Komango par écrit. Puis on y a le 30 octobre, Tokoyawa, Otoyoka, décision. Mais le gouvernement, il y a un peu de temps. Et le gouvernement, il y a un peu pour retenir le lobby. C'est que requête, il y a Noël Tchani et Kota hors délai. Délai, ils allaient 48 heures après avoir publié la liste. Il y a la Kali 19. Noël Tchani a reporté ça le 23 et le Moulin va se dire 4 jours après. Donc, au moment où il y a une requête, il y a sur le banc ministère public, il y a une requête qui va se dire le 23, il y a hors délai. Donc, il y a Noël Tchani qui va se dire parce que sur le plan du droit, il y a hors délai. Donc, il y a le 23, date aux limites, il fallait reporter ça le 21, il y a une requête qui va se dire le 22. Donc, de ce côté-là aussi, il faut voir que. Surtout que le dossier Moro et Lelo, il y a un dossier à 7 qui coule. Il y a 7. Parquet général et l'eau. Il n'est pas à côté de ça qui est le 23. Donc, par contre, il y a le 23, il a déclaré hors délai. Il fallait que tu aies un cartouche, il fallait que tu aies un hors délai parce que. Maître Venon, il y a un côté qui est le même jour. Donc, tu as la confiance, tu es que tant que tu as un par écrit, tu as un hors délai pour que tu aies un hors délai. Tu as un hors délai pour que tu aies un hors délai. Il y a 7 hors délai. Il y a Tchani et comme il est dans les délais, tu as une place à cause de la délai. Donc, et l'autre est un dossier au Kouya. Chez qui là? Yannick, on va faire toi aussi ma Yannick, on va faire toi aussi ma micro. Non, ça va. Grosso modo, il y avait un produit sur une requête à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de la candidature de M. Katumbi comme candidat à la présidence de la République. Soit purement et simplement. Le défaut de nationalité congolaise. Et après avoir entendu tout le monde, nous a entendu, nous les requérants, a entendu aussi la partie des avocats du représentant M. Katumbi, a entendu aussi ce point de vue de la CENI. Je pense que les autres étoiles seront déposées dans le bureau par 10 heures ou plus tard et la Cour va se prononcer sur la situation. Vous avez produit c'est pour moi nous avons produit des éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition donc de la Cour. Et je pense que la Cour, je ne veux pas aller dans les détails, je voudrais laisser ça au juriste. J'estime que la Cour a pris en délibéré tous les éléments que nous avons passés et a pensé que notre requête était fondée. Par conséquent, il sera étudié. Et je vais vous dire une chose, que dans tout ce que nous faisons, nous défendons le drapeau de la RDC. Nous ne voulons pas que la RDC tombe sous la domination de quelques personnes manipulées par l'extérieur ou bien eux-mêmes qui n'ont pas la qualité d'être congolais. Je vous remercie. De la démocratie, leur cheval de bataille, et nous croyons à cet esprit de démocratie. Nous pensons que l'occasion est donnée à la Cour constitutionnelle de dire les droits et de crédibiliser cette institution.
Parce que imaginez que vous êtes dans une position où dès lorsque vous vous prononcez, plus personne ne peut plus rien dire. Donc vous avez un si grand pouvoir, donc la Cour a un si grand pouvoir, et que les décisions de la Cour doivent mettre tous les Congolais en confiance. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas les droits tels que nous l'entendons, alors pourquoi nous nous sommes venus référer à la Cour? Donc la Cour a ici l'occasion de prouver à la face du monde entier que nous sommes un pays démocratique et que la Cour a la latitude de remettre chaque Congolais dans ses droits. C'est ça notre état d'esprit. Donc nous sommes sereins et confiants et nous pensons que la Cour va dire les droits et nous allons être retenus parmi les candidats qui vont compétir à l'élection présidentielle du 20 décembre 2020. Président, autant que partie prenante du processus électoral, vous avez vu comment la CENI, le RTC s'est comporté, mais également comment la Cour se comporte déjà jusqu'à ce jour ici. Quelle est votre impression ou quel est votre sentiment au regard de ce processus électoral et tant d'acteurs aussi est en train de la mettre en cause? Est-ce que c'est votre cas également? Merci, monsieur. Vous savez, nous sommes dans un processus. Je l'ai dit quand j'ai tenu les points de presse dernièrement, j'ai fustigé les comportements et l'attitude de la CENI. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas traiter un dossier qu'on n'a pas réceptionné. Nous sommes tous intellectuels, nous parlons français. Ils ont un bureau de réception et de traitement des candidatures. Comment pouvez-vous rejeter un dossier que vous n'avez pas réceptionné? C'est là où nous disons que la CENI a failli, c'est une faute grave. La CENI devait d'abord et avant tout réceptionner les candidatures de tout le monde. C'est pendant la phase de traitement qu'on constate qu'il y a tel ou tel élément qui manque. En ce moment-là, comme ça a été aux législatives, on donne le temps aux candidats de venir compléter. C'est ce qui justifie la période que la CENI a fixé juste après la clôture du 9 au 14. C'est une période, si vous lisez les communiqués de presse de la CENI, où les candidats avaient la possibilité de venir compléter ou de substituer les dossiers. Alors c'est comme ça que nous nous fustigeons ce comportement et nous nous inscrivons en faux par rapport à cette attitude. Ça, c'est une attitude d'exclusion, alors que le processus se veut être inclusif. Pourquoi vous allez refuser de réceptionner les dossiers alors que ce n'est pas moi, Emmanuel Muntu, qui émet la note de perception? La note de perception de la DGRAT vous donne la période de 8 jours. Et dans les 8 jours, si vous ne payez pas, vous avez des pénalités. Donc pourquoi moi je vais aller payer les pénalités à la DGRAT alors que la CENI a refusé de réceptionner mon dossier, d'autant plus que j'avais ma note de perception? Et donc c'est pour dire que personnellement, je fustige ces comportements. Ce n'est pas un comportement inclusif. La CENI doit corriger ses erreurs et comprendre que tous les Congolais sont d'abord égaux devant la loi et que nous devons tous bénéficier du même traitement. C'est ça. Donc nous sommes vraiment très déçus de cette attitude de la CENI qui, en lieu et place de réceptionner notre dossier, a carrément refusé de les prendre et de les rejeter alors que la première mission de ces bureaux est de réceptionner avant de pouvoir parler du traitement du dossier. Merci, c'est bon. Je pense que ça suffit comme ça. Ma mission TV, le miroir du monde.